Bonjour les amis, je l'ai pêchée, ça y est, elle est là. Alors elle s'appelle la Drawbox Aqua Creator. Ça reste assez mystérieux jusqu'ici, donc stop le suspense. Déballons et testons ce fameux coffret qui, je précise, sera particulièrement détente. L'intérieur est bien rempli, ça se sent au poids. J'ouvre la boîte, toujours dessinée par mes soins. Boutade. Premier élément, je vous présente une petite boîte aquarelle de poche de chez Winsor & Newton. Oui, ici, on va explorer un nouvel univers en commençant par ce matos. Pas mal le logo en doré comme ça, c'est joli. En gros, la boîte est composée de ce support en plastique blanc et de 12 demi-godets aquarelles joliment pigmentés. Ça ne se mange pas, même si c'est joli, évidemment. Et on a aussi un petit pinceau rond en fibre synthétique qui s'emboîte comme ça. C'est rapide, facile et c'est quali. Et même si vous n'êtes pas du tout dans la peinture ou l'aquarelle, la box elle offre d'autres outils qui vont probablement vous faire changer d'avis. On a ces 12 couleurs que je vais poser à gauche sur le papier. En fait, ces blocs de couleurs, c'est tout simplement de la poudre de couleurs qui est entassée, on appelle ça du pigment. Et si tu mélanges une couleur avec une autre, ça va nous en donner une nouvelle. Donc tu peux faire ça avec toutes les couleurs que tu as, c'est un peu comme un tableau de multiplication, mais en plus fun quand même. Donc cette couleur plus celle-ci va donner celle-là, on appelle ça un nuancier. Et c'est bien de le faire comme ça, à tout moment tu vas regarder ton tableau pour savoir quelle couleur faire. À la fin t'as quand même pas mal de couleurs, il faut juste un peu d'eau dans ton pinceau, mais je t'explique ça un peu plus tard. Je pioche. C'est un bloc assez particulier, c'est du très bon papier spécial aquarelle de chez Annemule avec un joli grain tout fin qui donnera du charme à nos colorations. Et quand tu passes l'aquarelle dessus, on sent bien le potentiel. Ce qui est bien, c'est que ces feuilles elles sont collées dans le bloc et elles se décollent ici, sur le côté, donc c'est ultra pratique pour peindre partout et sans abîmer la feuille. Et voilà trois pinceaux réservoirs de chez Rougier et Play. Ils sont synthétiques, là aussi, d'une très grande solidité, et le principal atout, c'est qu'on peut les remplir d'eau. Et quand tu appuies comme ça, ça fait sortir de l'eau sur le pinceau, selon ta pression. Allez, là, on a une palette ronde de marque Créa. Voix de mec qui fait la pub. Elle contient 10 alvéoles qui nous permettront de disposer notre eau et nos pigments de peinture. On pourra aussi faire des mélanges directement sur la palette, et ça, ça nous met vraiment bien. Tenez-vous prêts pour les beaux, les grands marqueurs de chez Faber-Castell, le kit de 5 marqueurs, Albrecht, Dürer, aquarellable. On ouvre délicatement ce petit coffret, tel un coffre gardé par un vieux boss de donjon. Le Graal. Plus sérieusement, ça fait toujours envie la présentation des coffrets Faber-Castell, je trouve. Ce sont des feutres aquarellables, dotés d'une double pointe, un côté souple et un côté rigide. Bon, là je vous montre un exemple, je vais piocher dans mes godets Winsor & Newton une petite couleur. Je fais sortir un peu d'eau en appuyant et ça fait un dégradé de couleur, pareil sur celle-là aussi. Voilà. Et pour mes couleurs de marqueur Faber-Castell, on fait pareil. Je pose le pinceau propre imbibé d'un peu d'eau et comme tout à l'heure, ça va créer un dégradé de couleur de la même manière. Démonstration. Je trace la forme d'une belle carpe avec mon feutre noir. J'adore les poissons. Toujours sur mon bloc de feuilles Annemule. Et ce qui va se passer est assez dingue. Mais c'est le principe même de l'aquarelle. Je prends mon pinceau à réservoir rempli d'eau et je vais effleurer les bords intérieurs de la silhouette. La explosion de pigments noirs qui se font aspirer par l'eau. Donc ça va très vite et on a naturellement à la fin une sorte de silhouette de fumée noire qui ne bougera plus si on ne le touche pas. Et ça sèche assez rapidement, en 3-4 minutes. Puis après, on peut repasser dessus en remettant des coups de feutre, comme tout à l'heure. Et allez, on répète encore cette action avec notre pinceau d'eau. L'eau s'évapore et se fait absorber. Ça laisse toujours cet effet de transparence. Puis ce qui est cool, c'est qu'on pourra même aller piocher des petits pigments noirs sur une feuille à côté, par exemple.
tu piques avec ton pinceau et tu l'appliques sur le dessin pour les écailles par exemple. Et voilà un style de dessin que tu peux faire avec les marqueurs Faber-Castell aquarelle plus un pinceau réservoir rouge et bleu. Flacon rouge et bleu, voilà ce qu'on appelle la gomme liquide. C'est très très spécial. Déjà l'odeur, croyez-moi, elle va vous surprendre. Franchement, si vous prenez la box, faites sentir ça à vos proches, ils vont adorer ce moment. Évidemment, ça le fait si tu commences à mettre ton nez sous le flacon. Cette bonne odeur divine. Mais cette odeur, elle est sur toutes les gommes liquides. C'est juste une particularité assez originale qu'on retrouve sur ce type de matériel. Bref, c'est quoi? Eh bien, observez ça, c'est mieux les images que les mots, pour le coup. Vous avez compris. En fait, c'est un moyen de protéger la feuille contre vos assauts de peinture, et quand on le gratte juste avec le bout du doigt, même pas ton ongle, juste voilà, la peau de ton doigt, la gomme elle va partir. Tu souffles un peu, ça part, et ça laisse le blanc de la feuille d'origine. Donc c'est pratique pour créer des ciels étoilés comme ça, ou des formes, ou même des zones claires. Bien sûr, attendez que votre peinture soit sèche avant de gratter la gomme, évidemment. En tout cas, une gomme de qualité de quantité signée Rougier et Blé. Objet suivant, je vous le dis, c'est un objet Team Draw. Voici la brosse à dents Team Draw. Avec cet objet, tu vas pouvoir te brosser les dents, mais pas que. Tu trempes ta brosse à dents dans le godet blanc. Godet blanc, godet blanc, godet blanc. Godet blanc, godet blanc, hey. Et hop, tu vas asperger comme ça, tu vas propulser la peinture sur tes diverses créations pour créer des étoiles ou même des textures. Par contre, choisis bien le rôle qu'aura cette brosse, plutôt salle de bain ou plutôt aquarelle. Enfin, c'est toi qui vois. C'est pas encore fini, on aura encore un élément extrêmement sympathique, c'est un lot de 20 cartes postales à nemules avec un grain torchon. On va pouvoir peindre ou dessiner dessus. Donc, le bloc de tout à l'heure c'était du grain fin, et là c'est un grain torchon, moins plat, plus texturé, on le voit là ça fait des petites montagnes, et là au dos on a plutôt un grain très très fin, satiné. Comme ça en fait on touche à tous les styles de grains dans cette box, mais c'est parfait, au moins vous allez savoir quel grain vous préférez parmi les 3 grands types. Et là, c'est agréable de se poser un quart d'heure à faire une petite carte, la garder ou l'offrir à quelqu'un, à la famille ou des amis. Faire plaisir, c'est se faire plaisir. Encore du matos en lien avec l'eau. Un crayon aquarellable Albrecht Dürer de Faber-Castell. On peut avoir soit cette couleur rose-pourpre, soit un bleu ultramarine. La couleur de ce crayon est très pigmentée. Et là aussi les amis, même principe que les feutres, tu vas pouvoir venir piocher dedans avec un petit peu d'eau au bout de ton pinceau, et ensuite l'étaler ailleurs pour peindre. Et là je fais des tâches effet aquarelle, en chargeant un peu plus en couleur les bords. On peut aussi colorier normalement avec ça, ça en fait de très bons crayons de couleur. Nouveau stickers. Cette fois-ci on a le sticker Star Wolf, que j'ai illustré numériquement, voilà, avec des petites constellations. Il sera dans chaque box. Et pour une fois, il n'y aura pas de stickers rares. Mais à la place, on va mettre au hasard dans les box des petites cartes postales sur lesquelles j'ai peint. Des originaux, donc ils seront dédicacés bien sûr, et j'en ai fait pas mal. Voilà, je vous les montre un peu. Il y aura la classique, des petits coquelicots de différentes couleurs. C'est tellement apaisant de créer des végétaux, des animaux en aquarelle. Et vous trouverez des tas de tutos et d'astuces sur YouTube, même en français. Ça vous tente, je vous mettrai quelques références sympathiques pour vous lancer en description. Quand on fait de l'aquarelle, on prend son temps. Alors là, par exemple, pour vous montrer qu'on peut aussi associer de l'aquarelle à des liners ou à d'autres matériaux, j'ai dessiné un personnage que j'ai nommé Dan, certains connaissent. On va simplement le remplir avec des touches d'aquarelle, comme ça de la palette Winsor & Newton. Tu peux repasser par-dessus ton liner. Là, j'applique directement le pinceau avec un peu d'eau et de peinture directement sur le papier. On appelle ça la technique sèche. Parce que le papier est sec. C'est la méthode la plus simple à maîtriser, parce que oui, il y a plusieurs méthodes pour peindre à l'aquarelle, tu peux les mélanger, et tu as aussi la méthode mouillée, où là, tu vas d'abord humidifier ton papier en étalant de l'eau dessus. J'aime bien poser des gouttes d'eau comme ça avant de les étaler.
Et maintenant, quand tu vas poser un peu de peinture par-dessus avec ton pinceau, ça va très vite se diluer, se propager, et ça aura tendance à donner des effets de flou. On peut attendre que ça sèche pour ensuite utiliser une technique sèche par-dessus. Etc. C'est une des facettes de l'aquarelle. Et du coup, je termine mes petites cartes postales cadeaux, libres comme l'art, et hop, dans la boîte. Bon, je vous souhaite bonne chance à ceux qui prendront la box. Le magazine manuel de la Dropbox Aqua, illustré à la main. Comme d'habitude, avec des techniques étape par étape, des démonstrations, la doc du matériel et des infos. Voilà, ça c'est bonus, et je sais que ça vous tient à cœur à chaque fois. On a aussi une carte cadeau de 5€ pour les magasins Rougie et Play, ou même leur site internet. En plus, ils ont des tas d'accessoires autour de l'aquarelle, faites-vous plaisir. Et on a le petit flyer avec les dates de rencontre dans les magasins Rougie et Play. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations. En même temps, c'est pour faire découvrir à tout le monde à la fois l'aquarelle, qui est un univers très riche, évidemment la box que je présente, et qui est, encore une fois, assez différente de d'habitude. La box est disponible en quantité limitée sur drawmarket.fr, dès maintenant. Puis il y a le jeu concours aussi. Les règles sont simples. Vous allez devoir peindre une aquarelle sur une des cartes postales Anemul présentes dans la box. Je montrerai vos dessins en vidéo, donc vos coordonnées, mettez-les bien au dos de la peinture, c'est mieux. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir me les rendre à main propre pendant les dédicaces suivantes. Lyon, Paris 15e et Toulouse, chez Rougie et Blé. On pourra se rencontrer comme d'habitude, passer un moment ensemble. Et franchement, dans la file d'attente, n'hésitez pas à vous montrer vos dessins, échanger entre vous, ça va être super cool. Avant de vous dire les prix à gagner, juste un conseil, prenez votre temps. Mettez pas trop de pigments, vraiment l'aquarelle, c'est raffiné, c'est léger. Faut doser doucement et tu pourras accumuler ensuite. Et pour les prix à gagner, la maison Rougie et Play offre 10 cartes cadeaux de 50€, 5 cartes cadeaux de 100€ et une carte cadeau de 500€. Pour aller les utiliser en magasin ou directement sur le site Rougie et Play, je vous le dis, ça vaut vraiment le coup de participer. Je devrais donc sélectionner les 16 cartes postales que j'ai préférées. J'espère que cette box vous fait plaisir, ou tout simplement cette vidéo, que ça vous a donné envie de vous intéresser à cet art qui est magnifique. En tout cas, je vous souhaite un bon dessin les amis, et une bonne aquarelle.